That's my best friend. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien. Juste avant de commencer cette vidéo, vous connaissez le petit truc, hein, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage qui fait toujours plaisir. La team, bon, ben on va vous présenter en fait, comme je vous avais dit l'autre fois, on a fait la liste des fournitures scolaires de Mia. On est allé lui chercher ses habits pour la rentrée scolaire. Je vous avais dit que je vous mettrai dans une petite vidéo, dans un début de vidéo, ou vous ferez une story Instagram ou quoi. Mais en fait, comme on en a tellement acheté, et on a tellement usé dessous, je me suis dit, bon, ben, je vais vous faire une vidéo complète, ça sera mieux, comme ça vous verrez tout. Bon, la team. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, ça, c'est simple, hein, des petites chaussettes noires, des petites chaussettes blanches, toutes simples. Après, regardez, un petit sweat kappa. Oui, un petit sweat kappa. Moi, je le trouve vraiment joli, celui-là. Il est vraiment beau. Voilà. Alors, après, on a pris quoi? Un autre petit veste Puma. Voilà. Après, un petit t-shirt Energy. Je crois que c'est ça. Ouais, ça c'est la marque de là-bas, d'Intersport. Energy. Après, ben, un autre t-shirt Energy. Voilà. Ça c'est pour l'été. Ah, un petit t-shirt Puma. Franchement, il est mignon celui-là. Le chien qui pète les plans, c'est normal. Celui-là, je le trouve trop beau, regardez. Petit fila, franchement, il est magnifique, ce petit fila. Je le trouve magnifique, moi. Ce petit fila, regardez, ça nous a coûté cher, ça. On l'a pris dans un petit magasin, dans la petite chemise, parce que voilà, elle voulait ça pour la rentrée scolaire. Une petite chemise avec un petit pantalon, normalement, qui va avec, c'est celui-là. Petit oui. Pantalon à pince aussi. Celui-là, on l'a payé cher aussi. Voilà, c'est vraiment une petite tenue classe. Et après, je vous montrerai aussi ce qu'on lui a pris. Une petite beauté qui nous a coûté un petit peu cher, mais une petite beauté. Un petit truc énergie. Ça, c'est pour le sport. Voilà. Un petit truc Puma. Ligue Puma qui va avec ben, le t-shirt et la veste. Et normalement, il y a le petit fila aussi. Voilà. Regardez avec le petit fila derrière. Le petit truc, le petit fila, regardez. Franchement, je kiffe. Voilà. Voilà. Et... est-ce qu'on lui a pris? Regardez, petite paire d'Air Max. Elle a choisi, ma fille. Elle tue. Et en fait, on a pris celle-là, pourquoi? Parce que regardez, en fait, c'est pas un scratch, il n'y a pas de lacet en fait. C'est ni un scratch, et en fait, elle est lacée comme ça. Donc pour les petits, c'est impeccable. Franchement, j'ai trouvé ça classe. Petite bulle d'air, franchement, la classe. Et bon, et avec sa mère, on lui a fait plaisir. On lui a pris une tenue. Stylé, avec la petite tenue là, comme je vous ai montré, petite classe, on lui a pris notre petite tenue, un petit peu plus streetwear, mais voilà, celle-là, elle a coûté vraiment cher. Vraiment cher, quand on est passé à la caisse, la poulette, on a vraiment eu mal au ventre. On s'attendait pas à ce prix-là. Ouais, je m'attendais pas à ça non plus. Regardez. Et on savait pas qu'il y avait un magasin comme ça ici. On voilà, était trop contents. On est tombé dessus, et elle avait plein de trucs, mais comme elle nous a dit, elle a reçu 15% de la. De la commande à cause du corona, tout ça, ils ont eu du mal à être livrés. Et il y avait des trucs Karl Lagerfeld, il y avait quoi encore? Billy Blush, il y avait quoi encore? Hugo Boss. Oh, il y avait une veste Hugo Boss. Oui, du Karl Lagerfeld aussi, une jupe. Mais en fait, on n'a pas de chance, c'est que Mia, elle est comme moi. En fait, elle est grande et mince. Du coup, quand on lui met du 10 ans, la jupe, c'était une jupe longue comme ça, marquée Karl Lagerfeld dessus, elle tuait. Mais en fait, elle était trop grande au niveau des manches. Et le 8 ans, c'était trop petit. Ouais. Ouais, ce que je veux dire, en fait, on a un problème, donc du coup, on lui a pris ça. Regardez ça. Elle est partie avec le petit pantalon qui va avec. Le pantalon qui va avec. Voilà. Regardez. Une tuerie. Kenzo Kids. Et cette dame, oui, elle a plein de marques. Avec le pantalon, 70 euros. 70 balles et c'est juste un petit legging. Hein. C'est pas un pantalon. Il est polaire à l'intérieur. C'est un petit legging et le sweat. Le sweat, regardez le prix du sweat. Bouge pas. 105 balles le prix du sweat. Je vous le dis, il y en avait plus de 1000 balles, je crois, les habits, en tout. Donc voilà la team, c'était cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu ces affaires rentrées scolaires. Là, qu'est-ce qu'il nous reste à acheter? Je vais pas vous mentir, une petite doudoune, mais pas doudoune parce qu'ici il fait pas très froid non plus. Une petite veste un petit peu. Comment on dit, un petit peu court, là il y en avait une, mais en fait elle était trop bleue, flash.
Donc du coup, la dame, elle a dit qu'elle va en recevoir, donc peut-être qu'on va lui prendre une Hugo Boss ou une Karl Lagerfeld, on verra. Parce qu'après, il y avait des petits 3/4 en cuir marqués dans le dos et tout, Karl et tout. Mais voilà, ça c'est un petit peu, pour qu'elle soit un petit peu plus grande, ça fait trop habillé pour l'école et tout. Donc là, voilà, on lui a pris toutes ses petites affaires avec ses petits Air Max. Moi, je dis, ça va être un petit délice, regardez. Franchement, une petite classe, une petite classe, une petite merveille. Bon, la team, voilà. Au moins, vous avez tout vu ce qu'elle a. Comme ça, pour aller à l'école avec son petit sac à dos, vous avez vu l'autre fois doré, ses petites trousses qui va avec ses petits trucs. Elle va être magnifique, ma fille. Elle va faire une rentrée magnifique. Donc voilà, on voulait, c'est pour ça que je voulais vous montrer, parce qu'on lui a pris pas mal d'affaires. Comme je vous dis, il lui manque une doudoune et c'est tout, je crois. Peut-être une paire de bottes et un ou deux jeans, quand même. Voilà, peut-être un ou deux jeans, mais on attend de voir le temps un petit peu qu'il fait ici, parce qu'ici, en fait, septembre, octobre, des fois novembre, il fait encore du 20 degrés. Donc ça sert à rien de... On n'est plus à Aurillac, là, ça sert à rien d'acheter des trucs pour les acheter, qu'après, comme ça grandit vite, un enfant. Donc là, on a vraiment pris le strict minimum, mais qui nous a coûté un sacré bras. En fait, je pensais pas, parce que je voyais les petits suites, les petites bulles qui coûtaient 80 €, les petites jupes 80 €, tac tac. J'ai dit bon, on va prendre ça et on n'a pas regardé le prix avec maman. Arrivé à la caisse, elle nous dit 175 €. Je dis bon. Mais maintenant qu'on a la caisse. Non, maintenant qu'on l'a, moi je m'attendais à quoi? À 40. Allez, 60 € le pull et 40 € le pantalon, 45 €. Quand j'ai vu que c'était un petit legging, tout ça, je me suis dit voilà, ça va faire un petit 100 € quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je voyais les robes à 80, comme je vous disais, je me suis dit, bon, ben, le jogging, il va être à 100, 120 €, 100 €. Non, non, 175 balles. Vous avez entendu, aussi cher qu'elle survêt Lacoste pour nous, qu'on peut garder 10 ans, sauf qu'il le garde un an, même pas, parce qu'ils grandissent trop vite. Bon, ben voilà, là-dessus, passez une bonne journée, passez de bonnes fins de vacances. Je vous dis ciao et à bientôt. Et j'espère que votre rentrée à vous sera aussi magnifique que celle de ma fille. Je vous le souhaite. Et choisissez bien vos affaires scolaires parce que c'est pour toute l'année. Et soyez beaux gosses, soyez street, beaux gosses, tout ça. Hein. Pour les garçons, pour les petites minettes, hein. Draguer les petites minettes à l'école, les petites filles, être jolies, mignonnes, coquettes. Hein. Voilà la team. Allez, je vous dis ciao! Team Ficelle, n'hésite pas à t'abonner et inciter de la Team Ficelle.